techniques, financiers et bien sûr ceux qui nous accompagnent depuis tout le temps. Aujourd'hui, l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique a organisé cet atelier lors du SIAM sur le pompage solaire dans l'agriculture, mais aussi sur l'efficacité énergétique en généralité dans l'agriculture. Pourquoi ? Aujourd'hui, nous pouvons baisser les factures des agriculteurs, leurs factures énergétiques d'une façon importante, grâce aux nouvelles technologies liées à l'énergie solaire, mais surtout aussi avec un volet accompagnement de sensibilisation, accompagnement de formation et un accompagnement de financement. Aujourd'hui, nous avons tous les outils pour que les agriculteurs switchent des pompes diesel ou pompes gaz butane aux pompes solaires. Ça a complètement un sens dans l'esprit pour réduire notre facture énergétique du pays, mais aussi réduire la facture énergétique de l'agriculteur. Aujourd'hui, deux conventions ont été signées, une avec l'ONCA, le Conseil agricole, pour continuer la sensibilisation des agriculteurs, et une avec un réseau vert. L'AME a accompagné un réseau vert dans la région de Sousmassa, dans la région de Mnimlel, dans la région d'Oujda, et aujourd'hui dans la région de Meknès, pour que les entreprises qui travaillent dans le pompage solaire travaillent en réseau pour l'économie d'échelle, et aussi accompagner les agriculteurs d'une façon professionnelle. C'est pour ça qu'un label TACA Pro Pompage a été mis en place avec la profession pour accompagner la qualité des installations et la qualité des produits utilisés. Voilà un peu l'esprit de cet accompagnement, et pour ça que l'efficacité énergétique, on l'explique, c'est tout le monde est gagnant. On réduit les factures énergétiques et bien sûr avec un impact environnemental très intéressant, parce que c'est le concept d'agriculture durable qui est mis en avant.